Toi, tu n'as plus que 5 secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à ma chaîne YouTube si toi aussi t'as à avoir le pass saison 3 gratuitement sur Fortnite Battle Royale. Hey, bien salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour un port, je vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale, enfin sur la saison 3 pour un tout nouveau glitch. Aujourd'hui on va simplement tester un glitch pour avoir tous les skins groupe Fortnite gratuitement. Mais avant cela, n'hésitez surtout pas à me soutenir dans la boutique Fortnite avec le code créateur Fintex BE. Vous le rentrez dans la boutique Fortnite, vous faites soutenir un créateur. Et là, vous avez juste à rentrer mon code créateur Fintex BE dans la boutique Fortnite. Voilà, c'est très important, cela me soutient énormément. Merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite. Comme vous avez vu, aujourd'hui on va simplement essayer un glitch pour obtenir tous les skins Fortnite gratuitement. Mais voilà, c'est vraiment très important de bien rentrer le code créateur. Pour commencer le glitch, vous allez faire exactement la même chose que moi. Vous allez désactiver votre quête d'opinion. Une fois fait ça, ce que vous allez faire signaler un bug. Et là, vous allez faire exactement la même chose que moi. Là, vous allez cocher exactement la même chose que moi. Là, vous allez faire objet cosmétique n'apparaît pas. Voilà, mon objet cosmétique n'apparaît pas. Là, vous allez cocher et vous allez accepter votre message envoi du signalement. Là, vous allez attendre et là, vous allez confirmer votre message. Une fois fait ça, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans vos paramètres quête d'opinion. Là, vous allez encore vous mettre sur nom, c'est vraiment très important. Là, vous allez faire choisir le mode de jeu comme dans la vidéo. Là, vous allez juste attendre le chargement. Là, vous allez cliquer sur le mode de Battle Royale. Vous allez attendre le mini chargement du mode de Battle Royale. Une fois le chargement terminé, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans la boutique d'objets. Et là, vous allez bien remettre mon code créateur Fintex BE dans la boutique Fortnite. Voilà, il y a plus de chances que ça fonctionne avec. Du coup, voilà, n'hésitez surtout pas à le mettre dans la boutique Fortnite. C'est vraiment très important pour que le glitch y fonctionne. Après avoir fait ça, ce que vous allez faire, là, vous allez repartir dans vos paramètres quête d'opinion. Et là, vous allez vous mettre tout simplement sur oui comme dans la vidéo. Là, vous allez faire choisir le mode de jeu et vous allez sauvegarder vos paramètres. Là, vous allez juste à cliquer sur le mode créatif de Fortnite Battle Royale. Là, vous allez attendre le chargement qu'on va venir dans le lobby. On va tout simplement attendre 1 à 2 heures avant d'obtenir tous les skins Fortnite gratuitement. Voilà, j'espère que ça a marché. Je vous tiens au courant sur Instagram. Voilà, venez me follow sur mon compte Instagram. Voilà, pour comme ça, je vous fais une petite story pour voir si le glitch il a fonctionné ou pas. C'était Fintex. En tout cas, vraiment, j'espère que cette vidéo qu'on a essayé un glitch vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de bombarder le code créateur Fintex dans la boutique Fortnite. Voilà, je compte vraiment sur vous. Vous allez dans la boutique et vous mettez mon code créateur. C'était Fintex. Allez, ciao!